il me semble que... Au revoir. À chaque fois, c'est la même chose. Tu peux filmer plein de gags. La nuit, je suis fantôme de toi. Salut les Charlots! En ces temps étranges où les présidents de droite se font passer pour des gens de gauche ou des gens qui ne voulaient pas travailler, t'engueules pour retourner au travail sinon tout va s'effondrer. En ces temps où le jour du déconfinement, tu te rappelles le 11 mai dernier, la nature nous a fait un petit clin d'œil avec un déluge qui aurait pu porter une arche d'espoir pour que l'humain reste chez lui et arrête de nous faire chier. Pourtant il est sorti l'humain, hein, avec toute la puanteur qui va avec, le bruit et l'odeur du néolibéral qui veut panser la crise, à coup de sparadrap bon marché. Et vas-y, que l'école réouvre, mais pas vraiment, le boulot reprend. Ah bon, ça s'était arrêté? L'Europe veut faire porter la responsabilité juridique à la Chine, alors que non, nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes responsables de rien. Même pas de manger nos morts dans les EHPAD, ni d'aller jusqu'à défoncer les forêts chinoises pour fabriquer l'essence de notre pastis marseillais. Le savais-tu? En fait, ce n'est pas de l'étoile anisée que nous buvons, mais des feuilles cueillies par des gens pauvres de la région du Guangxi en Chine parce que les récoltes du fruit de la badiane, trop aléatoires pour assurer la demande française. 2 litres par personne, parents, adultes et enfants confondus, chelou comme chiffre, hein. Mais non, nous ne sommes responsables de rien. En Europe, on ne cache rien. On dit tout, c'est transparent. Tellement transparent qu'on passe à des grands élans d'émotion nationale à en laisser crever mamie de solitude dans son miroir pour retrouver le monde d'avant. Nostalgie de caca. Avant, c'était mieux avant. Personnellement, je préfère pendant, hein. Ouais, quand on est dedans, pendant. Ni avant, ni après. Concernant l'OMS, en copinerie avec la Chine et aux attaques de l'Europe pour trouver un responsable juridique, nous ne sommes pas étouffés d'hypocrisie et de mauvaise foi. Bon, de toute façon, elle ne peut pas être mauvaise la foi, on n'en a pas. On ne croit plus en rien, parce qu'entre les injonctions paradoxales et la dichotomie qui nous habite, c'est la loose. Aliénation garantie pour tout le monde. Attaque de l'Europe envers les Chinois, ce n'est pas du racisme, non. C'est juste une analyse du think tank de l'Institut Montaigne, un endroit dirigé par un monsieur qui pense qu'il y a le méchant capitalisme et le gentil capitalisme. Mais bien sûr. Alors, oui, je raconte des trucs et je te donne mon avis sur des trucs. C'est très à la mode, ça a même un nom, l'ultra-crépidianisme. Très heureuse d'apprendre un nouveau mot. L'ultra-crépidianisme nous vient du vocabulaire anglo-saxon afin de désigner le fait que les gens donnent leur avis sur des trucs dont ils ne savent rien. Grand sport mondial des réseaux sociaux et des conversations de comptoir courantes. Même sur le trottoir d'en face, on cause de tout dont on ne sait rien. Mais là où je suis rassurée, c'est que des hommes en scaphandre et masque antinucléaire pchitent les dits trottoirs. Alors on est sauvés. Non, ça ne sert pas à éliminer l'ultra-crépidianisme sapiens. C'est pour le Covid. Ah, mais c'est pas dangereux de tout tuer avec des virus cibles. Ah, c'est pour faire comme dans le monde d'avant. Oui, bah, c'est vrai que la nostalgie du n'importe quoi, ça marche bien. Ce matin, je me suis perdue 40 minutes dans un parking 20 truc là, tu vois. Et entre le prix, le système d'aération, la musique, je crois que j'ai tenté de me suicider. J'avais perdu ma voiture, mais je l'ai retrouvée. Franchement, tout ça n'a aucun sens. Ni même cette chronique d'ailleurs. Alors, je préfère laisser la parole à un témoignage bouleversant, celui de Mamzel M, qui voyage à Montpellier. À la gare de Montpellier Sud, il y a des portes automatiques dans le hall. Elles permettent d'accéder aux différents quais, si tant est qu'on présente le QR code de son billet préalablement acheté. Ça évite les fraudes, mais en réalité, ça évite bien plus que ça. Ça évite les adieux, ou les retrouvailles sur le quai, les effusions dues au trafic humain en tout genre n'ont plus droit de citer à la gare de Sud Montpellier. En découvrant ça aujourd'hui, je suis remplie d'une tristesse infinie et par conséquent inconsolable. Personne ne m'accompagne à mon train aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart du temps, je me rends seule dans les gares que j'arpente, mais justement... Les adieux en amouraché, les au revoir qui concluent des moments joyeux, les séparations pleines de promesses de se retrouver au plus vite, tout ça vu depuis ma fenêtre de train me faisait oublier que mon départ à moi, personne ne se souciait. Je regardais ébahie par tant d'amour les mains qui s'agitaient quand le train s'ébranlait. Je m'émouvais de celui qui ne pouvait s'empêcher de courir jusqu'au bout du quai pour jouir jusqu'à l'ultime de la vue de l'être aimé, quelle que soit la forme de cet amour. J'ai toujours adoré courir à côté des trains qui emmenaient loin de moi celles qui m'étaient chères. Comme pour leur dire « Je pars un peu avec toi. » On ne se quitte pas vraiment. Ça rend les voyages légers de se savoir aimer. On n'a plus peur de parcourir le monde, de risquer de le découvrir, de s'abandonner à l'inconnu, quand on a la conviction profonde que quelqu'un, quelqu'une, quelque part, nous aime et saura toujours nous recevoir. Et puis, à l'arrivée,
Personne ne m'attend jamais à l'arrivée des trains qui me portent. J'en prends souvent pourtant et j'adorais voir une paire de bras s'ouvrir à ma vue là-bas au bout du quai, mais jusqu'à présent, ça ne m'avait jamais rendu triste puisque d'autres le vivaient là, ici, juste à mes côtés. Puisqu'à chaque arrivée en gare, il y avait son lot d'effusions décomplexées, impudiques et débordées, et voir tant de joie, tant d'amour autour de moi rendait mes arrivées délicieuses d'espoir et d'humanité. Mais aujourd'hui, à la gare de Sud de Montpellier, on a tué l'amour. On a tué la joie, on a tué les retrouvailles, comme si un certain virus ne s'en chargeait pas déjà, comme si nos dirigeants dirigeantes ne s'en délectaient pas déjà. Aujourd'hui, je reprends le train pour la première fois depuis des mois et mon cœur vient de se briser en tant de morceaux. Ces portillons automatisés à la lumière néonesque et à l'ambiance gelée, ces portillons m'ont rappelé violemment que personne ne m'accompagnait au départ, que personne ne m'attendrait à l'arrivée, que désormais les voyages ne se feraient plus par plaisir mais uniquement par nécessité, comme dans « métier nécessaire ». Métier essentiel. Et puis, une fois seule à ma place, alors que je scrute un quai vide d'âme tentant de réunir mes éclats de cœur, une annonce à la voix métallique retentit dans le train pour nous faire la liste de toutes les interdictions et de toutes les amendes encourables, selon si l'on fait ci ou si l'on ne fait pas ça. Après qu'on ait bien tous flippé, la voix nous souhaite au bout des bouts des lèvres un bon voyage. Mais quel bon voyage peut-on passer sans amour? Le train revêt alors ses plus affreuses connotations. Le bétail qu'on emmène à l'abattoir, les humaines qu'on renvoie chez elles et qu'on fait disparaître, les cargaisons absurdes et les armements secrets. Au-delà du massacre de l'amour qui est en soi un crime contre l'humanité, ces portillons tuent à bout portant la spontanéité, l'improvisation, le goût du moment dernier, donc du moment présent qui n'est jamais qu'une succession infinie de derniers moments, parce qu'avec ces passerelles radardisées, plus moyen jamais de monter à bord d'un train sans l'avoir réservé, sans l'avoir prévu, prémédité, organisé. Combien de trains ai-je payé une fois à bord parce qu'une heure avant l'idée d'en prendre n'était même pas en prémisse dans ma tête? Et ces destinations inconnues qu'on découvre à l'arrivée juste parce qu'on a sauté dans le premier qui passait sans savoir où, parce que ce qui importait c'était d'abord le départ et que l'arrivée n'était qu'une conséquence hasardeuse d'un mouvement de nécessité. Partir. La gare de Montpellier Sud a tué le surgissement. Elle revendique la dissolution absolue de tout ce qui peut s'apparenter à une fulgurance. La gare de Montpellier Sud n'a même pas de piano. La gare de Montpellier Sud a un message clair à nous faire passer et moi, du fin fond de mon siège à grande vitesse, du fin fond de mon cœur déchiqueté, je me demande qui a conçu la gare de Montpellier Sud, qui a tellement manqué d'amour dans sa vie pour vouloir à ce point en priver le reste du pays. Mamselle M. Et sinon, le nain, 10 ans. « Maman, pourquoi tu m'avais dit que t'as tes règles ?»« Ben, je vois pas pourquoi j'aurais dû t'informer. » « Ben si, parce que là au moins je saurais pourquoi tu n'as pas de patience pour m'expliquer les fractions. » Il a raison. L'enfant, je n'ai plus de patience. Plus la patience d'expliquer les fractions et ça n'a rien à voir avec mes règles, mais avec celles qui sont imposées par le pouvoir politique. Je te laisse penser. La nuit, la nuit est 5 heures de toi.